Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le monde d'Alice, qui est un petit Lenormand et qui a été créé par Alice Chevalier, qui nous invite dans son univers. Voici la boîte qui contient une autre boîte avec les cartes, qui est toute mignonne. Le dos également. Il y a un livre. Le format, c'est un format type carte non traditionnelle, puisqu'elles sont plus hautes qu'un petit Lenormand. Le dos qui est sobre et plein de douceur. Elles sont d'excellente qualité, elles sont épaisses et mates. Les tranches sont neutres, elles se mélangent très bien, elles glissent très bien et elles s'étalent très facilement. Elles sont très agréables à manier. On retrouve des illustrations que je trouve magnifiques. Et puis les couleurs également. Qui sont douces, agréables. Alors il y a beaucoup de détails sur certaines cartes. Donc là ici il y a un texte. On peut utiliser tous les symboles, enfin, qui sont. Je veux dire, autre que le symbole classique et principal. Alors, si on n'arrive pas à lire, hein, heureusement, on a l'illustration pleine page pour pouvoir lire facilement les messages. Comme ici également, il y a un texte. L'étoile, voilà, qui est sous forme d'une baguette magique que la jeune fille tient entre ses mains. C'est un oracle qui nous propose d'utiliser vraiment notre intuition, nos ressentis et d'aller creuser grâce à ces illustrations et ces symboles qui sont fournis, en plus des illustrations classiques. Alors c'est une proposition, hein, on peut tout à fait s'en tenir à l'interprétation traditionnelle. Mais je trouve que c'est dommage de s'arrêter là, parce qu'on a vraiment une approche qui est, enfin, qui peut être beaucoup plus psychologique et qui apporte un plus à l'interprétation divinatoire. Voilà également le mont qui est sous forme de manteau. Donc on a un symbolisme qui est quand même fort. Pareil ici, une pie, enfin. Une clé qui est aussi grande que le personnage et dont la serrure se trouve au niveau du cœur ou du plexus solaire.
Voilà pour ces magnifiques illustrations. Ah, les couleurs également, hein, c'est un plaisir des yeux. Il est vraiment très très agréable ce petit Lenormand. Je l'ai vu hein, quand il est sorti, j'avais hésité et puis je me le suis laissé tenter. Et j'avoue que j'en suis ravie. C'est-à-dire vraiment, c'est l'un de mes petits Lenormand préférés aujourd'hui. Parce que justement, il y a cette approche plus psychologique, en tout cas, cette possibilité-là. Et puis, la douceur hein, également de l'univers que nous propose l'auteur. Alors, le livre, c'est un livre très agréable également. Voilà, les feuilles sont, enfin, le papier est glacé. On a à propos de l'auteur, le sommaire, un avant-propos. On a des tirages, enfin en tout cas à propos des tirages. Un tirage à trois cartes, passé, présent, futur, avec un exemple. On a également un tirage à neuf cartes que moi j'ai pas l'habitude d'utiliser de cette façon. Donc j'ai beaucoup apprécié justement de découvrir cette forme d'interprétation. Donc on a le détail. Il est assez succinct, mais il est très clair. Et puis on passe évidemment donc à l'illustration pleine page et puis la signification avec les mots-clés, la datation. Voilà, un texte un peu plus fourni. Et ce qui est très chouette également, c'est que on a des questions relatives à l'énergie de la carte. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Alors, le livre semble épais et il l'est. Hein. Toutefois, donc, il est divisé en deux. On a donc la première partie signification. On a des remerciements. Et puis la seconde partie qui correspond à un journal de tirage si on le souhaite. Voilà. Avec les mots-clés, le symbole, la symbolique du dessin, notre interprétation et les aspects positifs et négatifs. Donc voilà, pour ceux ou celles qui souhaitent écrire sur le livre, pourquoi pas. Voilà pour le livre. Et pour ce très très joli petit Lenormand qui nous invite à développer nos connaissances. Et qui nous plonge dans un univers plein de douceur, d'originalité. C'est un oracle très contemporain aussi. Il a évidemment un côté très girly et beaucoup de douceur. Moi, c'est vraiment une belle découverte. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu si vous le souhaitez. Partagez, likez, commentez si vous le souhaitez également. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.